Mes viewers, bonjour et bienvenue pour les Sims d'aventure sur Mountain Blade Warband avec le mode Edge of Arthur 2.0. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas fait, lâche un petit like, ça fera plaisir à tonton. On est parti. Ouais, cavalerie parce que c'est un cavalier. Un cavaliero. Lui aussi, il est cavalier. Voilà, voilà, voilà. Bon. Bon, on a bien... On a bien roulé sur la gueule du monde entier, en fait. Là, il nous faut un ransom broker. Je sais plus où était le dernier. En Dekava, peut-être. Peut-être bien, ouais. Et il y a 3-4 jours, donc il est peut-être encore là. Je pense pas que c'en soit un. Si, c'en est un. Il s'est enfui. On en avait deux. Il y en a un qui s'est enfui. Trigger est toujours là. Bof, on pourrait le libérer, hein. Il a plus de pays, il a plus de nation, c'est fini. Hein. Je vais quand même attendre la fin. Je vais attendre qu'ils me disent que le royaume de Trégor a été détruit. Comme ça, au moins, je suis sûr. Je suis sûr qu'il va pas lui rendre une armée de 600 mecs et puis qu'il va pas me reprendre la ville derrière, quoi. Bon, ouais, je vérifie que je suis pas en guerre. Tiens, tiens. Là, on est en guerre contre Vénétie, apparemment. C'est très compliqué parce que. La ville de Trégor, elle est sans aucune défense. Vu que on est en guerre contre eux, ils pourraient tout à fait. Trégor is no more, ok. Ils pourraient tout à fait. Tu te fous de ma gueule? Non. C'est énorme. C'est énorme, on a recruté Trégor dans notre armée. C'est ouf. Ah mais c'est tellement ouf. Oh l'enculé. Vous voyez, je vous avais dit, il risque de me piquer la ville. Bah ben, il l'a fait. Ok. Ah, c'est de ma faute. Hein. J'ai pas vu qu'on était en guerre contre les rouges. J'ai pas fait attention. Ah mais je suis tellement content, on a recruté un roi, enfin un ancien roi vu que je l'ai déboîté le machin, dans notre armée en tant que soldat quoi tout simplement. Où qui sont?
En bas? En haut? Dial Riada a déclaré la guerre à la France. Moi, j'ai engagé des danseurs pour distraire mon armée. Bon, ça va être tranquille, hein. Il y a 150 troupes en face. Ça devrait pas être violent comme siège. Je peux pas m'arrêter pour... Je me suis fait jeter comme une merde. Aïe, 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 aïe. J'ai mis une balayette au mec. Y'a le soleil qui m'emmerde là. Ah, le soleil, il est trop chiant. Il est trop chiant le soleil, il m'embête. Je reviens pas d'avoir capturé. Je vous jure, un Trégor, moi ça me. C'est cool, c'est cool. Pourquoi y'a mes hommes. Y'a mes hommes qui sortent de son château. Si c'est passé. De... Oh putain, il y en a là-haut. J'essaie de pas crever, hein. Oh non! J'ai gagné quand même? Lui, il va... attends, faut qu'on se fasse ce gars-là déjà.
Faut que je tue ce gars-là parce que sinon il va réattaquer la ville derrière. Bon, d'accord. Qui siège? Ah, c'est un Français, je crois. Ok, c'est cool, c'est un Français, on va le laisser tranquille. Regarde, il essaie déjà de reprendre Vénétie, ce bâtard. Je vais me reposer un peu parce que... C'est bon, on a récupéré Landregor. Tu attaques quand tu veux, mon grand. Vénétie. Ah bah voilà, c'est bon. Vénétie a été détruit, donc là, on est en paix avec tout le monde, normalement. Bon. Ça s'est bien passé. J'aille, hop, chercher à bouffer. Carrément. Ah, c'est en Dekava, je crois. C'est en Dekava qu'on avait craqué. On avait acheté, je sais plus, 34 acres, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. 39. J'ai les 30. Ouais, c'est ça, 34, j'en avais refait 5 derrière. Ouais. Donc vous voyez, quand on les a achetés, ils étaient à 750. Maintenant, ils sont à 960. Et plus on va réussir à augmenter la richesse de cette ville, plus ça va nous rapporter. Là, j'offre 1000 balles pour récupérer un point de relation. Comme ça, on est à moins 5. Pas mieux. Ça va mieux. Scriptorium. Scriptorium, c'est un truc un peu badass, hein. J'ai l'impression que on est sur du bâtiment de qualité. De qualité. Civitas Carnutum. Oui, bah il donne les villes à qui il veut, je m'en bats les couilles. Honnêtement, j'ai pas besoin de plus de terre que ça pour l'instant. Bon. Elle veut pas qu'on refasse un gosse parce que l'autre est pas encore grand. Oh non, tout ça on s'en fout. Bon, alors, est-ce qu'on pourrait avoir des informations sur Compiègne?
Ville très riche, il n'y a pas de, y a pas d'indication de population. C'est vraiment bizarre qu'on te demande un nombre minimum d'habitants et qu'on ne te donne pas ton nombre d'habitants actuel, quoi. C'est débile. Ça rime vraiment à rien, quoi. Non, si ça, s'il n'y a pas plus de guerre que ça, pas plus de guerre que ça qui se déclare ici, va falloir qu'on aille bourrer en Angleterre. Alors, il y a un truc très intéressant. Il y a un truc très intéressant, c'est que Trégor, il a une couronne qui lui donne des bonus sur ses statistiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des objets, entre guillemets, magiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, Excalibur existe. Eh ben oui. Je dis bien potentiellement, j'en sais rien, machin, mais c'est un bon indice quand même. On va pas recruter de Francisque, non. Oh, 5 800, d'accord. Donc ça stocke bien tout le pognon jusqu'à ce que tu viennes le chercher. Ça, c'est génial. On peut se barrer 6 mois, c'est pas grave. Alors, je vais aller faire un tour, c'est à Finsburg. Finsburg. Je sais pas comment ça s'appelle, on s'en fout. Voir un petit peu le prix des bateaux. Cinquante-quatre mille deniers, d'accord. Voilà. Donc déjà le mec il me demande une fortune, hein, clairement. 54 000 deniers, c'est une fortune. Et en plus, va falloir que je lui ramène du matos. Bon là il donne toutes les tous les châteaux que j'ai récupérés, il les donne à d'autres. Je les ai pas demandés, attention. Hein. Je les ai pas demandés, mais les autres en fait n'ont pas de royaume, parce que c'est des nouveaux vassaux en fait. C'est des mecs qui viennent d'arriver. Des royaumes qu'on a détruits, tac, on récupère des vassaux. Et donc ils ont pas de terre. Ça, c'est un mec qui a fait un poème sur moi, je lui ai filé de la thune pour qu'il puisse aller chanter ses chansons partout dans le royaume, ça me fait du renom en plus. On va aller voir le port, le portmaster. Alors, il peut pas faire de nid d'âme. Bon. De toute façon, ça va être notre projet. Hein. Une double galère, c'est ça? Double galère, je sais même pas combien de troupes on va pouvoir emporter. Les gens ils commencent à faire la paix avec moi, tu vois, ils savent que je suis en train de prévoir de me faire un bateau. Ils sentent le vent tourner, tu sais. J'ai 21 000, il nous faut 54 000. Donc il va nous falloir 40 000 de plus, parce qu'après il faut que j'aille acheter du bois par exemple. On va trade avec les locaux. Hein.
Il m'a parlé de Timber, de Tar. Après, je sais pas s'il y a autre chose, j'ai pas fait attention. Je sais absolument pas ce que peut être du tar. Alors, des soldats sont prêts à upgrade. 12 800, c'est bien. Oh, le port est fermé. Non mais sérieux. Bah, sinon, tu peux me donner un petit village quand même. Hein? Alors, Timber, Tar, Wool. Timber, Tar, Wool. Je pensais qu'on pouvait les lui ramener après, mais non. Et Tar, je sais même pas. Je sais pas. C'est pas que je veux pas, hein. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut bien être. Alors, il me semble que c'est un tonneau avec une espèce de truc en ferraille dessus, graphiquement. On a fait la paix avec les Pictes. C'est marrant quand même, toutes ces paix qui arrivent là que je commence à faire un bateau quand même. Le jeu peut pas le savoir, hein, mais c'est marrant quand même. Voilà, on va galérer, hein. Oh, c'est quoi ça, Cornouaille? Est-ce qu'il pourrait pas me faire un Nidam, eux? Ah, je sais plus. Wool. Ah non, là c'est Wool Close. Non, non, c'est du Wool. Ah, Timber Tar Wool. C'est quand même bizarre qu'on ne puisse pas acheter un bateau. Ok, bon bah sur ce les amis, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu. La grosse nouvelle, hein, c'est le recrutement de Trégor. Ah, je suis content, ah, je suis content avec ça. Eh, j'espère que ça vous plaît aussi, des bisous, à demain, ciao ciao.